Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un petit peu de la documentation. Donc comme je l'avais déjà suggéré, c'est une histoire qui est très précise puisqu'elle se passe à des endroits qui existent. Et donc en dehors des endroits, il y a les vaches. Et les vaches, c'est pas forcément facile à dessiner. Donc j'ai besoin aussi bien sûr de beaucoup de documentation. Là notamment, il y a un combat. Et on a fait plusieurs photos pendant des combats des rennes dans différents endroits. Et je me base sur plusieurs photos parce qu'il n'y a jamais une photo qui correspond exactement à ce que je veux démontrer, mais avec plusieurs on arrive à compenser et à trouver des poses qui permettent une composition qui corresponde à ce que j'ai envie de dessiner. Pour les paysages et pour les troupeaux, c'est la même chose. J'ai besoin aussi de documentation pour voir comment les vaches sont disposées dans un terrain en pente notamment, et puis le fond de vallée avec notamment la dent blanche. Tout ça est agrémenté par des photos prises à des endroits différents, à des saisons différentes, mais ma foi, je choisis ce qui me convient pour les images voulues. Par contre, il y a aussi dans la BD des moments délicats, notamment il y a une vache qui tombe et qui se casse une patte dans l'histoire. Eh bien ça, bien évidemment, j'ai pas de photo de ce genre de choses. Donc là, je dois être capable de l'inventer, être capable de dessiner une vache qui chute et que l'anatomie corresponde et qu'il y a une unité de travail par rapport au reste de l'histoire. Donc ça demande quand même des connaissances précises de l'anatomie, d'une maîtrise des choses qu'on va dessiner et de savoir comment les mettre en scène.